À chacun son programme télé. Ce lundi 23 janvier, Valérie Carcenti est à l'affiche de Lycée Toulouse-Lautrec sur TF1. 6 millions de téléspectateurs seront devant leur petit écran pour découvrir les deux nouveaux épisodes de cette série. Ceci ne sera pas forcément le cas des enfants de l'interprète de Madame Lespic. Et pour cause. Les deux enfants de Valérie Carcenti, Léon et Chaïm, ne suivent pas ses moindres apparitions à la télévision. Une étonnante confidence qu'a faite la comédienne de 47 ans à nos confrères de Femmes Actuelles lors de la diffusion du téléfilm La Fugue sur France 2, en janvier 2021. J'informe ma famille quand il y a quelque chose qui passe. Très souvent, ils ne regardent pas. Parce que si estiment ma vie et qu'ils ont la leur. A-t-elle avoué en toute franchise. Avant de poursuivre, il y a des choses que j'ai tournées et qu'ils n'ont toujours pas vues. Jamie bien qu'il regarde quand je suis heureuse du résultat. Ça fait plaisir. Afin de garder cette magie et cette même spontanéité, Valérie Carcenti ne provoque pas ce genre de situation. Soit, ça se fait, et si ça débouche sur des choses intéressantes, si est-ce sympa. Mais je ne le programme jamais. A-t-elle confié au fil de cette interview? Un moment de partage qui s'est déjà passé et dont l'interprète de Liliane dans Scène de ménage a gardé un excellent souvenir. Dès lors, la compagne de François Ferroletto les laisse libres de regarder ou non ses séries et téléfilms. Si est-ce eux qui décident s'ils ont envie ou pas. A-t-elle assuré en guise de conclusion? Valérie Carcenti, ses rares confidences sur ses deux fils dans la vie. Valérie Carcenti est une mère de famille épanouie, très proche de ses deux garçons Léon, 2002, et Chaïm, 2006, fruit de son histoire d'amour avec le comédien François Ferroletto. Maman attentionnée, elle adore partager des moments avec ses derniers, comme elle le confiait avec tendresse dans les colonnes de Elle Magazine, en 2013. J'ai toujours partagé ma vie de comédienne avec mes deux fils. Au début, au théâtre, ils ne venaient qu'à la fin, pour les saluts. Maintenant, j'adore les entendre se marrer dans la salle. Ces derniers l'ont même accompagnée lorsqu'elle était en tournée aux quatre coins de la France avec la pièce de théâtre Grand Écart aux côtés de Thierry Lhermitte et de son compagnon. Et quand elle n'est pas sur les planches ou sur les plateaux de tournage, Valérie Carcenti consacre le plus clair de son temps à ses deux fils. Quand je ne travaille pas, je fais la totale Desperate Housewife, a-t-elle révélé. Avant de dévoiler en détail son quotidien, je pratique le yoga, je fais mon marché et je vais chercher les enfants à l'école avec un énorme goûter. Et une fois de retour à la maison, la complice de Frédéric Bourali leur prévoit de nombreuses activités artistiques. Et je, les, regarde dessiner. Léon et Chaïm sont des mômes très bavards. Le seul moyen de les calmer, c'est le dessin, a-t-elle également confié. Des moments privilégiés qui comblent de joie Valérie Carcenti. Crédit photo, Patrick Bernard.